La marijuana est ça, ma cambo est ça beaucoup plus terrestre. Dans Lumumba. Du fait, Bazozongi ça, comment une dent de Lumumba. Pour moi, étant qu'un prophète, je vois qu'il n'y a aucune coïncidence par rapport à l'évolution du pays. Mais sauf que, les Abassines, les Otales, c'est que les Occidentaux, les Belges, ils ont compris qu'ils ont fait du mal aux Congolais. Parce que nos colons, ils ont fait beaucoup de mal à notre nation. Ils ont tué beaucoup de personnes que nous connaissons au cours de l'histoire du Congo. Et ils ont pris la conscience de retourner. Donc, sur le plan beaucoup plus terrestre, sur le plan politique, leur présence s'annonce tout simplement du fait qu'on reconnaître ma bémo comme salam boka oza béni. Beaucoup de faits partout dans les quatre coins de notre pays. C'est pour cela, eza ba préparatif, yaba anniversaire ya Congo. Mais Congo, c'est un pays prophétiquement parlant, c'est un pays qui est béni. C'est pour cela, nos richesses que Dieu nous a données, et c'est pour cela, nos ennemis, balin koti kabiso kimiate. Prier Nabutu, nous avons battu le président Moko, il y a une nation Moko et Bounzaka Congo, depuis des décennies, nous avons battu le président. Cette personne règne comme Nasuka. C'est les choses qui nous réunissent. Vous voyez? Voilà, ça donc, c'est très bien. Peut-être ils peuvent aussi inviter d'autres musiciens chrétiens, peuvent venir là-bas aussi, chanter et ensemble. Bon, au fin, les musiciens chrétiens. Ouais. Bon, ça dépend de la façon les gens. Bah, Zomon et la Makambo, hein. Moi, je trouve ça, c'est une occasion. L'agression, il y a l'Est, il y a le Rwandais, le Ouganda. Il y a le Sangissa, le Ouer, le Jibé, le Lor Mbongo, le Matou Samuel. Mais oui! Bah, mais bon, mais ils peuvent être ensemble pour chanter. Même si le conseil on est le 30 juin, ils ont un cadre de solidarité Yamboka. Vous voyez? Parce qu'ils ont un massano. Bah, pasteur, on peut chercher une salle, on peut prier pour la nation. Et c'est que tu es un martyr. Parce que lorsque le président Félix il a eu le pouvoir, il a dédié le pays entre la main de Dieu. Cela ne suffit pas. Voilà. Donc il ne faut pas contredire moi dans ma façon de voir des choses. Et dans le cadre, il y a solidarité, il y a unité nationale, il y a beaucoup d'abisso. Parce que si je suis musique guana, je ne pense pas que je suis en train de me faire un peu. Et puis ils vont faire des nostalgies par rapport à la carrière musicale Nabango parce que ce sont des gens aussi qui ont travaillé beaucoup, qui ont fait avancer les drapeaux du Congo à l'extérieur. Il y a des combattants, des chrétiens, des pasteurs, des en Europe, des en Afrique, par-ci par-là. Ils vraiment significatif pour cette nation congolaise. Bannir l'indifférence, les partis pris, les intérêts personnels. Restons unis. Nous allons repousser les adversaires de ces pays. Notre pays, le problème majeur, c'est la divergence, les intérêts personnels. Vous savez, Mobutu, malgré tout ce que les gens disent, c'était un président de la République, malgré les alliances qu'il a fait par-ci, par-là, mais Mobutu, il a bâti ce pays. Il est parmi les pères qui ont bâti cette nation. Donc, du fait de voir peut-être mener à Liban Mboka, pour moi, je vois ça, ce n'est pas vraiment louable. C'est pour cela, au moins, il peut mener à Mboka, je vais dire. Il faut que je suis un père. Ceux qui sont dans Mboka, ils ne sont pas en train de se reconnaître pas dans Bangote, ils vont évoluer. Voilà, shalom, shalom à tout le monde, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bienvenue chez nous, Équilibre Télévision, votre chaîne, Jérémy Louemba, les Renards du Désert, et devant vous, alors, un clin d'œil spécial à tous nos abonnés, mais aussi à tous nos partenaires, j'en profite également de l'occasion pour remercier Maman Claudine Louyé qui nous regarde religieusement depuis Kinshasa, et également, joyeux anniversaire à notre vieux, Jean Kouketana, haut des colonnes, le parfum de Bundes. Le vieux Jean Kouketana, nous sommes de cœur avec vous et sans oublier, Papa Willy Kachama, le vieux Willy Kachama, toujours dans Bundes, soyez bénis. Alors, on est là avec l'homme de Dieu, le prophète Erika. L'homme revient à la maison, nous allons essayer de parler sur l'actualité, mais aussi sur les choses de l'esprit.
Prophète, bonjour. Bonjour, mon frère. Le Seigneur vous bénisse. Amen, papa. D'accord. Voilà, démarrons par la prière, papa. Seigneur, Père de grâce, tu as dit tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Je confie ce net moment entre ta main puissante. Que ton esprit soit au contrôle de tout. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je t'ai prié Dieu. Amen. Amen, prophète. Alors, ça fait très longtemps, l'homme de Dieu, d'abord bonne famille et puis bonne évolution d'activité. Ok, nous sommes toujours là, la famille se porte mieux, ainsi que l'œuvre de Dieu, ça progresse, Dieu, il est en train de travailler toujours avec nous. Vraiment, mon mozo qui est Kitoko. Kitoko Makasi. Ok. Voilà, on est là, comme vous le savez, l'homme de Dieu, Balobi Congo est menacé, la guerre est imprévisible et tout ça. Alors, on ne sait pas dans quel moment il y a eu bombardé dans Mbukoyo, les gens parlent du Rwanda. Burundi, Ouganda, les pays frontaliers avec nous. Yozali, messager, Yozali, homme de Dieu, comment vivez-vous ces derniers moments? Et puis, est-ce que nous avons une révélation pour Namboka, pour la cour de Christ? Comment les choses se passent chez vous? Vraiment, merci mon frère par rapport à cette question. Nazo bisaba na nzambe faut que vous allez toujours attitude ya ko soutenir Congo. Très bien. Vraiment avant tout manifester ba guerre au ya est, vraiment j'étais avec même quelqu'un dans ma maison na mona ki ba message moko mabe pour na mboka oyo. J'ai vu vraiment il y avait des coups d'effet partout dans les quatre coins de notre pays. C'est pour cela eza ba préparatif ya ba anniversaire ya Congo. Mais Congo c'est un pays prophétiquement parlant, c'est un pays qui est béni. C'est pour cela nos richesses que Dieu nous a données, et c'est pour cela nos ennemis balinkoti kabiso kimiate, c'est pour cela yoza chrétien chrétienne faut qu'on soutenir mboka na biso parce que zamboka moko eza na venir. Donc otozomona eza ba sin ezotalisa ke nzamba lingi a livré banguna na biso juste devant notre sous notre pouvoir parce que Israël ou ezali physique ezala ki pe de même combattu dans leur époque à travers ma diversaire, ma mandianite, ma surien, mais ma naïque a toujours plus que vainqueur, tant que ma naïque a l'attaché dans Zambé. Donc, on a besoin d'un homme spirituel, tous en Mboka Oyo, tous tellement, peut tous réveiller les autres, de prier pour le Congo, pour nos soldats, pour nos frères, nos sœurs, au bas dans la partie est du pays, bas au vivre vraiment un moment très difficile, au bas au coup à chaque jour, mais par rapport à la révélation en Zambé, Mboka Oyo, Mboka en Zambé, Zambé si a télémi, a coupé sa kimia. Vous-même, vous allez voir comment Dieu va combattre les adversaires, que ce soit les étrangers ou les pays frontaliers. Yambo Kanabiso, vous allez confondre parce que le pays Oyo est un pays en Zambé. Le plan Oyo est négatif. Vous allez préparer pour Nambo Ka RDC Congo et vous allez vraiment déjouer parce que Nzambe a lingi kimia na mboka na biso et longo na kimia de tokosa la Nzambe parce que notre bénédiction l'en dépend de ces pays, de cette nation. Le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu pour cette lecture. Mais d'autres prophètes nous disent que ba moni na ndoto na ba révélation na ba vision drapeau ya mboka ko pasuka solo bina moni drapeau mboka bazo tumbango. Yo zape prophète, yo moni drapeau en boka na itanin. En tout cas, ce que moi je dirais tant que un de Dieu, il faut le ba onzamba ibisio. Moni mboka oyo et mboka nzambe. Ngatanga zo sambe la nzambe, nzamba ibisenga y aura un moment donné de guerre, y aura un moment donné y a ba oppression, écoutez mana mboka et ça ba signe fort résultat c'est que devant notre avenir, il y a un développement qui nous attend. Moi, je sais qu'il y aura la paix et la sécurité parce que le pays qui agresse la RDC Zambé à Israël à combattre certains présidents. Quand on a vu Sibino, le président est à Mboka, il est à Ouganda, il est à la Rwanda. Le président est un problème sérieux. Parce que Bango va se physiquement, mais Nzambe va combattre Bango spirituellement. Il y aura des morts. Nzambe il y a quelqu'un à Koufa, ou à l'adversaire de Mboka. Donc, pour ne pas beaucoup plus parler le nom des gens, mais sinon, la nation se termine, la Congo, n'a pas Sibino une affaire il y a une année. Donc je dirais c'est la fin de leur règne. C'est la fin. Oh bah ça l'on est là ton nom, ils ont le côté na quatre ça va bruit. Donc ils ont dernière énergie na bango si comme ça s'est manifesté réellement jalousie na bango que réellement ils sont des adversaires du Congo. Mais bah sobo ça na que Congo est un pays moko prophétiquement parlant, c'est un pays béni. Alors nazomo on attend nazo prier na butu nzamba tali singa président moko ya nation moko ebunzaka Congo depuis les décennies nzamba zo ko essayer cette personne reine na comme na souka c'est pour cela azo ko agir mais agissement na eza pour sa perte
Donc, Nzambe a l'air confondre ma diversité à Congo. Parce que comme Nathan au Congo, et Sengi et se réunir dans tous ses côtés. Et puis, Congo et Sengi est à la pays Moko et comme émergent. Parce qu'il y aura des investisseurs dans Mboka. Mboka est à la pays Moko, même le blanc, va continuer à continuer à avoir dans le Congo. Parce que Congo est un pays Moko béni. Il y a toutes les richesses, il y a toutes les bénédictions que Dieu a données dans ces pays. Voilà. Alors, rapidement, même de Dieu, tout le monde y paye dimanche dernier. Certains pasteurs voilà, tu vas tenir à faire des essais pour se solidariser dans le militaire en Bukanabiso. Amoni John Ngefa, le prophète, amoni l'évangéliste international Kabundi Walesa, a bêti tenu puis a prêché à l'obikeno. Nzamba yebisiye, bitumbawana, toti que la mère Nzamba silisa, on a un petit message. Amen. Alors, le fait que le pasteur voilà, tu vas tenir, vous étant qu'un homme de Dieu, ça vous. Ça vous dit quoi? Ça vous met à l'aise ou bien aux hommes qui ont une influence dans les médias? En tout cas, c'est un mot encourageant et c'est un mot fort. Ils ont annoncé qu'il y a une victoire de notre côté. Vous savez, nous avons un exemple à Israël. Tout moment, Israël a un combat, il y a diversé à Israël. Les Amoréens, les Éphésiens, toutes ces nations qui entouraient les enfants d'Israël, ils sont très jaloux dans Israël parce qu'Israël a un Nzambe, parce qu'il y a une bénédiction. Mais tant que ça, l'Israël a un côté les mains, il va réveiller le peuple. Ils ont toujours la victoire dans Gamba Israël. Même Gédéon, nous avons appelé ça ma kasi ya kobunda, pe ya kolonga, ba nation qui entourait les enfants d'Israël. Donc quand je vois des hommes de Dieu comme le pasteur Walesa, Bazo s'est levé, il a porté la tenue de notre armée, ce sont des signes importants. Où ils ont dit que les hommes de Dieu, ils ont compris que nous devons prier et nous devons parler pour fragiliser les adversaires de notre nation. Parce que maloba kaba sane bazoloba, ils ont une efficacité. Parce que bitumba, ils ont physique, mais la spiritualité, c'est ça qui domine ce qui est physique. Donc comme on a déjà passé dans l'initiative, il y a côté les makoloba pour un intérêt à Mboka, toko annoncer des bonnes paroles pour cette nation, pour notre armée, ce sont des signes forts qui démontrent que Nzambe azananga munabiso. Na Mboka oyo Congo, eza Mboka oyo eza na spiritualité makasi. Eza Mboka oyo bon Nzambe ezali. Donc tout le monde va s'en Nzambe bazo tele maboye balati ba tenir. Donc nous sommes de cœur avec nos soldats. Nous sommes de cœur avec notre population qui souffre. Bon, étant donné prophète, je vous dirais que ça va si nous autres, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer dans notre temps ici. Donc, Tito comme en 2023, il y aura des signes où il y a diversaire à Congo. Parce que vous comprenez que les Congolais ont déjà éveillé, même les hommes de Dieu, les politiciens, les joueurs, tous ces gens-là, nous sommes unis pour soutenir notre nation. C'est un pays qui est béni. Voilà, le pays est béni, mesdames et messieurs. Ça, c'est la parole de l'homme de Dieu. Je rappelle que je reçois pour vous le prophète Erika. Son numéro est affiché au bas de vos écrans pour tout message, dialogue, prière, je ne sais pas quoi, appel, au Bengin Deko, pour partager par rapport à problèmes privés aux Anango. Ça serait une très bonne chose. Alors, deuxième chapitre à l'homme de Dieu, en dépit de tout ça, guerre, polémique, et pasteur, scandale et autres, Bandeko Bazan a posé sa vie. Meilleur. Parce que la poste est bien-être. Amen. Tu es comme une victime dans ma famille, il y a un lien, il y a une condamnation. Tu es comme une victime dans ma réclamation. Tu as si ici classe, mais évolution est exacte. Parce que tu es comme exacte. Si tu es une cascade, tu es comme une. Alors, tu es vivre dans un siècle où tu es dans la réalité. Tu es l'homme de Dieu, tu es le prophète. Alors, tout ça peut être un temps que la jeunesse, tout la génération d'Ali, embrouillée par cet esprit de Jézabel. Bah, jeune fille Mingi, bah, continue la prostitution, Kindumba, ils ont perdu même l'espoir. Comment s'en sortir dans l'esprit de Jézabel, dans la réclamation à famille, tout dans le blocage à famille? Bah, nous avons la mission qu'on partage dans la monde. En tout cas, merci Jérémy Luemba, Renard de Dicaré. Au moins, il y a un problème où il y a un vivre, tout le monde attend où il y a un problème, que le diable il sait qu'il est au paix des temps. Bientôt, le diable il sait qu'il serait emprisonné et il serait jeté dans les temps de fées. C'est pour cela qu'il agit d'une manière avec donc, beaucoup de précision parce qu'il veut qu'il soit accompagné avec beaucoup de gens en enfer. C'est pour cela que la jeunesse, le jeune sont beaucoup distraits parce que le diable il en profite par rapport à nos réalités, de nos familles ainsi que de notre façon de faire des choses.
Pesa bango message na lingala, c'est très important. Et zana batwe belé, nzambe akela yo po un jour ozala un cadre ozala élevé obala libala bien, mais dans ton passé oza muto commettre ba erreur ebé na vie na yo. Yo muto moko na vie na yo, tala sala bilan combien de mibale déjà bimi na bango. C'est pour cela donc balobi que présent et reflétaka à venir. Donc ignorance est ti. Et ça n'a pas été bazana katia ignorance. Parce que ma famille tobotami nango ba papa ba yé na biso nos ayé ming ba yeba kinzambe to sito sa la lelo. Ba yé na biso ba sala ki ba alliance. Na ba famille na biso to sala ba force ba coutume. Na ka famille na biso to na ba lien oyo ezala beaucoup plus raciné. Yango ozo mona ke même na mboka na biso, il y a d'autres présidents qui sont passés oyo ba teka ma génération montante par rapport à l'alliance satanique. C'est pour cela que le diable, il se réfère dans toutes les alliances au salamana mabota na biso na mboka na quartier na veni na place au vandi na kobota manayo ndengo bota entre alliance papa na mama et zalaki na ba dev pouvoir ya ba famille balé et sangana ki yondo botama. C'est pour cela au botami on se comprend était vina yo au simbabo et simbate au sala libala libala faut souke souka na nzela au sala commerce faut koya au luka musalo zwakate bien aimé nangina bisa yo et ça na batwe belé bateka ba vina bango parce que les diables ils savent que na katia mutsoka botami za na promesse même Jésus tanga botami bien aimé na bisa yo azaki muto azaki na promesse pe na mission. Mais diable a dit qu'on l'a depuis son enfance. Balobi que papa na bango il a été averti. C'est lui qui s'appelait Joseph. Azaki averti na songe. Babi si zoma na oki misaï na kat Egypte parce que Hérode azana posa bomaye. Mais Jésus a dit ne tole pena mission. Yango mona vie abat de batebele et bana qu'on a combattu depuis l'enfance. Na kat a fomé botami oebi ba lien nite oe salama. Oebi ba lien se nite salama. Et zana ba parent moussousou ba salama kelemba ba boutou. Et ça va parler à Moussou sur la vie, il y a un peu de femmes qui sont mais bon, on a foutu à te, on a fait un peu de bénéficier, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps. Na kata famille na bino pele de papa boboti maman boti yo akota ki na alliance ya maikari ya rose quoi ya franc-maçonnerie mais obota ma famille wana okoli ozo sala ben fort et beloza diplôme ya université wana diplôme ya licence ya gradué ya diplôme d'état ozo na bague mais ozo comprendre de te vie na yo stabilité zate bien aimé na ngina bisa yo il faut on retourner derrière on luka nzambe profondément et le Seigneur va vous délivrer. Jésus l'a dit, je suis venu pour annoncer la liberté. Je suis venu pour annoncer une année de gloire. Je suis venu annoncer l'affranchissement de tout et chacun de nous. Nous avons posé ça, nous avons dit, mais nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, 15 à 16 ans, nous avons dit, 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 ce sont des esprits territoriaux. Oh, ma chef, ma quartier spirituel, ma so dirige une masse de personnes dans ces quartiers-là. Mais pas au bimana babitumba wana essengi ozo conscience. Parce que délivrance ya vie à moutou, c'est la conscience. La conscience, ça va te pousser ya koluka nzambe. Conscience, c'est qu'on pousse ozo à la foi. Et ce qu'on continue à katia bon nzambe, c'est alors nzamba ko bimison à kati ya molili ozo bounisa vina yo. Ozo la nanga place aux ali bien aimé, au salaka commerce. On l'a kamusala, on l'a moisi, mais il n'a qu'à ta mariage dans qui mes alagate. Peut-être esprit à mari de nuit et kanga mobali na yo. Peut-être esprit à mari de nuit et kanga moisi na yo. Yango omona kena kata mariage na bino qui mes alagate. Ce qui est le boyo kan le fobo swana. Bien aimé, il faut au kota na katia bonzambe, ne oko découvrir ma kambo na zobi sa yo, penzamba gosani akobimi sa yo. Bana ya nzambe bazo demere na kati ya bitumba, bana nzambe bazo demere na kati ya pauvreté, bana nzambe bazo demere na kati ya kolela, parce que l'ignorance ezo kanga vie ya batu pe batu ebele lelo bazo songa bakoma ba rétrograde. Nzambe bengaki yo ozaki na Kinshasa bande kosambela nzambe okene na pays moko développé, mais yo wana ka oyebaki nzambe na Kinshasa okoma na muta mokili okota na kati ya vie ya lesbianisme. Au côté de la vie qui pédophilie, au côté de la vie, mon corps, on se sent que ça vit dans l'autre. Il y a aussi quand ça qui m'a mis au salon, mais ils ont bloqué l'obin à eux. Les gens comme chrétiens, ou comme chrétiennes, on se met tout à pourquoi ma caméra qui est libre sauté. Est-ce que passer na yo au salon qui est introspection, ou est-ce que tu as posé un passé, au salon qui est introspection, ou posé un question à parents na yo, mode de vie na bango za guinéguenine. Bible dit que par ton origine, je connais que tu es mandianite. Cela veut dire origine ya mutupe et ça a une influence par rapport à la destinée, par rapport à la bénédiction. Oyo nzambe abongisela yo.
Pourquoi na vino ka toujours collé là? Pourquoi na vino toujours le malheur? Bien-aimé, na lingina poussion tozola na ngai et singi okota na mozindo ya bonzambe poto bonde la pona yo, to fait découvrir yo les vrais problèmes ou eso kanga destiné na yo. Le lo ba jeune fille, oso mona kata fille ba tuba tuba lingi sous sérieté. Batwa lingo vana mobali mo côté. Mi balingo vana na mwasi mo côté. Le lo a makangu, le lo bi kuna makangu. Oso ebate question d'esprit oso ko magasiner na kata fille na yo. Le fait que le mode de vie na yo osana ngona et ko permettre te lobby osana vie stable. Mais ceux qui au côté na kati ya bonzambe, au côté na kati ya ba vie ya discipline, au côté na kati ya vie ya prière, c'est alors nzambe akobimisa yo na kati ya bitumba oyo ezokanga vie na yo. Bien mais ba tebele vie na bango était kama par rapport ya ba acte posé. Na vie na yo osala ka ba rapport sexuel par voie moko bo ezali tolérée. Ou évitez Mobali wana au sein des rapports sexuels, quelle semence qu'il a introduit dans ta vie. Mobali wana yo landa kapé soko mbongo. Ou évitez à partir de cet argent qu'il te donne, ou évitez alliance ni nazo entretenir la vie na yo. Un jour, na recevoir sermon église, nazo lekti na kata délivrance, nazo ke esprit solo bakati na ye, ngai komo nanga Patrick, nga mutu na pesa ko $500 na ngai. Mais banana na pio $500 wana, nazo ki accès na vie na yo, na kobimate, na kobimate. Bien aimé, j'ai compris que même à travers mbongo, muta koko somba yo. Et ça n'a pas te belé vie na bango et somba ma. Et ça va te belé vie na bango et kota na kata ma kelemba ya boutou. Oso mbongo ya mutu, me mutu wana oshanza mboka, okoma na mboka mosusu, yo kanza ke likamwane sila, me likamwane zola ndoti lelo. C'est pour cela vie na yo saka na kata tatonnement. Bien aimé, osengi o comprendre que la délivrance appartient à l'Éternel. Il suffit de prendre la conscience, de comprendre le vrai combat de ta vie, le vrai problème de ta vie. Nous allons t'orienter et tu vas recevoir la délivrance. Nzambe ya Israël ana posa délivrer yo. Nzamba Israël ana posa restaurer yo. Nzamba Israël azana posa a changer ba donna vie na yo. Bien aimé, dans le livre ya Luke chapitre 13, le verset 10. Bible zobete la biso histoire, il y avait une femme, elle avait le dos courbé. Mwana mwasi wana ba besala ki 18 ans na kati ya temple. Mais c'était une fille d'Abraham. Bien aimé, okoza na kati ya bonzambe, mais oyebi nzambe te. Et il y a une différence, connaître Dieu et avoir bonzambe. Moutoumoussa koza ebi nzambe, ma ebi bonzambe te. Cela veut dire cette femme, elle avait fait 18 ans. Na kata 18 ans, don na yeza qui toujours courbé. Cela veut dire, il dit fait être courbé, c'est le démon qui régnait en elle. Mais azay na kata temple. Yango komona ba na nzambe bele baso sambe la. Mais vi na bango eza double, ba bongo la makolo, ba bongo la mote mate. On soit en église, mais on soit retourné les mêmes. Bible dit, mon côté ayaka pa ya nzambe, azonga les mêmes. Ça veut dire, bah, soit on libosso nzambe avec les intérêts, ya libala. Bah, soit on libosso nzambe avec intérêt, ya mbongo. Bah, soit on libosso nzambe pour les intérêts charnels. Mais nzamba linga mona mouté mona za disponible. Mais comment cette femme de Luke 13, elle a fait une affaire de 18 ans? Bien aimé, au moins dans la vie, il y a un peu de temps pour maturité. Parce que 17e année, ya mwana mwasi wana, elle ne pourrait pas recevoir la guérison. 15e année, na ye, elle ne pourrait pas recevoir la guérison. Il faudrait azela la 18e année na ye, pour aïe, bah, obtenir ce qu'on appelle le miracle. Et ça, c'est que tu es là, tu es là, maladie. Es maladie na yo ba tuso ba tsako ba ko tsangoka makole koma ko vimba yo preso zali misu na yo omona ka biente tension e komi sa yo aveugle preso zali zo la nanga bien aimé ezana maladie ya cancer e deranja ka yo libele na yo bela cancer ozana cancer ya l'utérus ozana cancer ya mikwa ozana cancer ya makila bien aimé o luki ba docteur ya ndenge na ndenge okoma ko pesa confiance na ba docteur yo wana ozala dialyse pour na ba maladie ya rein. Au comment qu'on dépasse chaque séance, peut-être un bon conseil va te faire. Mais du fait qu'il y a quelqu'un dans l'hôpital chaque jour, et ça volontaire nous embêter. Bible dit, je veux que vous soyez prospères comme l'état de vos âmes. C'est-à-dire qu'on a eu un temple Saint-Esprit et un temple maladie. Mais cette femme a fait 18 ans. La Bible me dit, lorsqu'elle a rencontré Jésus, tant que tu as Yesu, et là, quand tu Yesu a dit, jour où tu as été. Et ça, tu as été malade. Na yo. Batuka baza tout tour na yo bata famille na bino peut-être mon tombe ka garde malade mais em souye muta bundisa kayo ye muta sala kayo malade wana e persister na nzoto na yo muto yo pesa confiance peut-être a sokola yo comme paralytique o maboko sala tema ko sala gate mais mutuka o e da ko po sokola o e beta dam na yeta
Bien aimé, dans le monde spirituel, le sali est individuel. Si tu es d'accord, bondela, bengabiso, to sambe la pona yo. Et ça n'a pas te belé ma peur de foi. Parce que quand on a dit que nous sommes X, assemblé qui pour nous soit résultat. Bien aimé, incrédulité la Dieu. Et l'eau quoi libosso, diable, ça servit nango, c'est l'incrédulité. Parce que Moutouso qui a peur de kaka kondima, c'est pour lui, c'est fini. Parce qu'il n'y a pas une autre voix qui peut appeler la guérison si ce n'est que la voix de la foi. Et cette femme qui avait fait 18 ans, elle avait la foi en elle qu'il y a quelqu'un qui peut me sauver aujourd'hui. Bien aimé, lorsqu'elle a rencontré Jésus, Jésus a simbi avec Obiki. Balobi que le dos de cette femme a été redressé. Lorsque le dos de la femme a été redressé, les gens qui entouraient Jésus, les scribes, Balobi si Yeshua binon, et ceux qui étaient Obiki, ça moi sur non, Mokola Saba. Cela veut dire miracle nous en présent. Mais ma kanisa mouté manayo, ils ont permettre de peut-être. On soit guérison. Bato m'entoure, quand on va la spiritualité, balatissant l'incrédulité. Au comment on a pasteur, on a jeune, on a la confiance na yete. Pasteur, après son directive divine, on a la confiance na yete. Parce que pasteur intel, assemblé pour nous guérison. Bien aimé, il faut bannir ce qu'on appelle l'incrédulité. Bien aimé, cette femme, elle avait la foi en elle. Malgré ça qui 18 ans, n'a habité peine de nombre des années aux maladies na yezui. Mais n'a rassuré yo, n'a moi au cas y a joué, nous avons besoin de stopper la maladie wana. Et la maladie à gastrite, et la maladie à barème, et la maladie à estomac, et la maladie à bamakolo, nous avons besoin de biki sayo, et la maladie à sida, nous avons besoin de biki sayo, et la maladie à tension, nous avons besoin de biki sayo. Au comment qu'on met la maladie à sucre, tous les jours tu es esclave des médicaments. Nous avons besoin de poser esclavagisme maladie à l'essanine. Et si là, moi si wana bien aimé à crier qui? Lorsque la femme a crié, Jésus a prié pour cette femme, balobi que son dos a été redressé. Nakati ya vie, ya Salomon Zoloba. Alobi, ce qui est redressé ne peut jamais être. Ce qui est courbé ne peut jamais être redressé. Ce qui est divisé ne peut jamais être regroupé. Et Salomon, alobi loba kena naye. Mais jour wana, moi ça n'a comprenant gabino. Je suis courbé. Mais je sais qu'aujourd'hui je serai redressé. Très bien. Et effectivement, Jésus a fait redresser le dos de cette femme. Et la femme en question, elle était restaurée. Nangina rassuré yo, Nzambe ya Israël, Jésus Nazareth, a soko restauré fina yo. Ce qui finit à qui courbé, il y a des années, aujourd'hui ton dos, ta vie sera redressée. Batoua koloba ke réellement Nzamba sa bomoi. Longola incrédité na fina yo. De même, on avait roulé la pierre. Nakata tombe ya Lazare. Avant Lazare, a c'est quoi? De même, penzamba na posa. On longola ba regret, na ba déception. On osan zaba pasteur, osan zela famille. Mais on a confiance en Nzambe. En fait, que obima nakati ya koufa. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, prophète Erika. J'ose croire que ma chrétien est belé, ma talabiso, ma croyant est belé. C'est vrai, les temps sont durs. Bah te belé, bah perdre confiance. Bah te belé, bah comme égaré. Mais Dieu ne change pas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Le message est bien capté. Bien-aimé dans le Seigneur, to pese binombote na kombona yeso. To ye epai na bino na banda kuna bino pona ko pesa bino liye annonce oyo du nouveau na mboka Allemagne. Morija Express, votre service de frais aériens. Morija Express, service Nabiso, service Nabino, ya frais aériens. Morija Express est à disposition. Ya batu nyoso oyo bafani na mboka Allemagne. Un service ya frais aériens. Ya ba colis Nabino, ba petit colis, na ba grand colis Nabino. De 1 à 10 kilos, de 10 à 15 kilos, 20 kilos, ça dépend ba kilo koko zarango. Et qu'on kende na bateau te et ça là va 1 mois ba 2 mois ba 3 mois mais yango ko kende na avion et ko ça là kaka 48 heures colina yo et komi na mboka Kinshasa partout aux allées na Allemagne komi tung samate aux allées na Hambourg na Berlin na Munich na Düsseldorf na Aachen soko zali wapi ko bangate contacter biso kaka na WhatsApp au toche awa na email toche wana to ko yeba ndenge nini colina yo et ko komela biso rapidement. Et puis, et comme appelé na Kinshasa rapidement, bose à la service. Et si li, y'a kotinda kaba koli, et ou mela, nanzela. Oyo, ezali service, y'a avion, te bengi yango fret aérien.
koli ekosala kaka 48 heures et commis. Benga biso na numéro de téléphone autochi awana suka. Diaspora ezali kokende kaka liboso. Benga biso na numéro de téléphone autochi na suka awa ya WhatsApp pe to okomeli biso tokoyebisa yo. Nini kosala ozala ozala Munich na Berlin na Mbo partout esi kozali kobanga te contacte biso tokoyeba ndenge nini koli ekokomela biso et puis 48 heures après kolino bandeko bakozwa Kinshasa nzambe apambola soki pe ozali na bakoli na yo euta Kinshasa batindelo mwa biloko na Kinshasa eya na Allemagne kobanga te contacte biso na numero otoche na suka awa nzamba pambola bino solution yangwana ezali Morija Express fret aérienne 48 heures mais toujours tita long témoin sûrement vers la fin amen ozali pe compatriote congolais amen le 30 juin ils allaient journée il y a indépendance 62 ans il y a l'indépendance d'Abissou. Mais si vous calculez le 17 janvier 61 le 17 janvier au Toza et 2023 ça fera au moins 61 ans depuis le Mumba a été assassiné. Ouais ouais. Alors au moins bah belge bah remettre Abissou ses reliques les restes et corps et le Mumba l'inouana. Soit disant que les gens sont en train de se faire, ils sont en train de se faire circuler. Spirituellement, pour récupérer les gens de Lumumba, ils sont en train de se faire tout ça. Et ses compagnons, Okito et Paul Maurice, c'est vrai que les gens sont en train de se faire, l'air de Lumumba n'existe pas, mais Lumumba, au moins, qui était un acteur principal. Bah retrouver un peu à Belgique zone à Congo. Spirituellement, est-ce que ça peut nous délivrer na ba pas si na ba nini? Normalement, waneza ba makambo eza beaucoup plus terrestre. Dans Lumumba. Du fait bazozongi ça comment une dent de Lumumba, pour moi étant qu'un prophète, je vois il y a aucune coïncidence par rapport à l'évolution du pays, mais sauf que eza ba signe totalis que occidentaux, les Belges, ils ont compris qu'ils ont fait du mal aux Congolais. Parce que nos colons, ils ont fait beaucoup de mal à notre nation. Ils ont tué beaucoup de personnes que nous connaissons au cours de l'histoire du Congo. Et ils ont pris la conscience de retourner. Donc, sur le plan beaucoup plus terrestre, sur le plan politique, leur présence s'annonce tout simplement du fait qu'on reconnaître ma bémo ko basalamboka oza béni. Bapia biso. Ba botolo ba spiritualité, ya ba koko na biso, ba zoa mboka oyo ba exploiter yango, ba zaka na intention ko bongisa ngote. Culturellement peut-être perdre béni. On a perdu beaucoup de valeurs, on a perdu beaucoup de choses, il y a des choses au moins ba zoa na mboka na biso ba kena ba tchalo ba mise na bango kuna. Alors il y a beaucoup de gens qui regardent ça, ce sont des choses qui nous appartiennent. Mais maintenant, c'est ça mis après 61 ans papa. C'est ça, et ça sur le plan beaucoup plus politique, ça montre que le Congo est est maintenant remis entre la main d'un fils du pays. C'est ça que moi je peux dire. Parce que depuis la mort de Kabila le père, on n'a pas eu un vrai Congolais à la tête du pays. Mais ils ont compris qu'actuellement, il y a un vrai Congolais qui est aux têtes du pays. Alors ces choses-là, ça doit se faire. Ne pas remettre. C'est très symbolique. C'est symbolique. Ça montre qu'ils ont remis, ils ont venu reconnaître leur mal qu'ils ont fait au Congo. Donc c'est à nous de profiter maintenant en récupérant les signes ou une dent de notre aïe, de mettre ça quelque part, c'est significatif. Parce que du fait que Kunda Moutou, Namboka étranger, c'est une malédiction. Parce que Moutou a bundé la Mboka, soit Kunda Namboka Papaya. C'est une malédiction. Mais ne pas bomber l'anzela ya ba sito. Mais du fait que ils ont les mains moko ya nzoto na ye, ou les acquis palpables, on peut toucher, comme ils ont venu retourner ça. Donc c'est quelque chose qui est très important. De même aussi, les maréchal Mobutu Fazo Namboka. Mais oui! Vous savez, Mobutu, malgré tout ce que les gens disent, c'était un président de la République, malgré les alliances qu'il a fait par-ci, par-là. Mais Mobutu, il a bâti ce pays. Il est parmi les pères qui ont bâti cette nation. Donc, du fait de voir peut-être Bemene Zaliba Namboka, pour moi, je vois ça, ce n'est pas vraiment louable. C'est pour cela, au moins, il peut me dire Namboka, Zanin. Malobi, que Babo, ça n'a jamais ma père. Osomona, ceux qui Namboka, Mogo, Boybe, Nanaka, Tanda, Kumo, Bazo, reconnaît Papa Nabangote, Bao, évolue,
Parce que papa, donc Mobutu, il fait partie de notre histoire de ce pays. Donc comme Lumumba, Mobutu et les autres. On ne peut pas ignorer ces gens-là. C'est nos aïeux, cofondateurs Yamboka Oyo. Moi, je pensais que la nenga moli mon père qu'on bougeait ma cambo. Non, si le bouger bisimbi. Vous savez, Oyo kanga Oyo bat bakanga ganase kanga m'appelle Nicolo. Vous comprenez? Donc sur le plan beaucoup plus spirituel et cause en angon d'influence moko mais pas vraiment parfaitement mais sur le plan est humainement parlant, c'est normal. C'est normal. Ah OK. Donc si humainement parlant, du fait de récupérer le corps d'un fils du pays qui se retrouve à l'extérieur du pays, c'est un atout. C'est voilà. Logique. C'est très logique. C'est logique. Alors, c'est même 30 juin Bappé Sipé, musicien stade des martyrs, hein. Wenge est réuni après 25 ans. Et Monique et Baobet a concert à Mouné na Kishasa. Mais d'autres pasteurs estiment que non, voilà, c'est un jour qu'il fallait prier, il fallait être plus concentré. Mais Bappé Siba Mise, c'est une distraction. Moi j'ose croire que même si le concert est au Bétama le 30 juin, ils ont un cadre de solidarité Yamboka. Vous voyez? Parce que ils ont Massano. Pasteur, on peut chercher une salle, on peut prier pour la nation. Et c'est un tétou qui est un martyr. Parce que lorsque le président Félix il a eu le pouvoir, il a dédié le pays entre la main de Dieu. Cela ne suffit pas. Voilà. Donc il ne faut pas contredire. Moi, dans ma façon de voir des choses, ils ont un cadre il y a solidarité, il y a unité nationale, il y a un cannabis. Parce que si je suis un je ne pense pas que je suis un sinon, je suis un mboka. Et puis ils vont faire des nostalgies par rapport à ma carrière musicale Nabango parce que ce sont des gens aussi qui ont travaillé beaucoup, qui ont fait avancer les drapeaux du Congo à l'extérieur. Vous voyez? Donc humainement parlant, je peux répondre de cette manière. Vous voyez? Parce que mes on a basala qui va mettre aux États-Unis, va mettre à Londres, va mettre aux Pays-Unis, on va représenter. Donc, le drapeau, il y a un culture à Congo, pas le drapeau à Congo. Donc, ce qui est à la moi, occasion, je ta musique le 30 juin, il y a 61e année, Nabiso indépendance, il n'y a pas un problème. Vous voyez, si un pasteur a besoin de prier avant qu'il puisse commencer leur concert, on peut lui donner le micro, il prie, ce n'est pas un problème. Mais pasteur, par contre, ça n'a pas de musicien, hein, ce qui est là. Bon, dans ce cas-là, moi, je vous dirais que le concert, on a un aspect beaucoup plus païenté. Et un aspect beaucoup plus lié pour la solidarité en Mboka. Voilà, c'est un message. Donc, c'est pour la solidarité, il y a Mboka Nabiso. Donc, solidarité, on a un moment où tous autres traversés, il y a Bagueur, les histoires comme ça, on voulait faire voir au monde que le Congo est uni et indivisible. Voilà, c'est ça le langage. C'est ça. C'est ça les choses qui nous réunissent. Vous voyez? Voilà, ça donc, c'est très bien. Peut-être ils peuvent aussi inviter d'autres musiciens chrétiens, peuvent venir là-bas aussi, chanter et ensemble. Bah, au fin, les musiciens chrétiens. Ouais. Bon, ça dépend de la façon, les gens. Bah, monde est la Macambo. Moi, je trouve ça, c'est une occasion. Agression, tout ça, il y a l'Est, il y a le Rwandais, le Ougandais, les gens. Il y a le Sangisa, le Jibé, le Lor Mbongo, le Matou Samuel. Mais oui! Mais ils peuvent être ensemble pour chanter. C'est dans ce cadre-là, moi, je souhaite. Est-ce que Moutouga, Moïzimbi et Mike Alamba, Olingaya ou Yim? Ah, papa, ils ont dépendre par rapport à l'appréciation d'ailleurs. Vous voyez, si c'était moi dans leur place, avec l'agression que nous avons aussi avec les Rwandais, c'est une occasion de faire voir à d'autres pays que non, nous sommes les fils du pays, nous sommes unis. Mais ça peut bouler. Ah, papa. Donc, oui, Rana Jimmy, ma robe n'a pas mis 5 ans. Mais chanter ensemble, ce n'est pas un problème, papa. Est-ce que Balé Oba Congolais va tomber ta Awa? Quand on voit l'équipe nationale, tout le monde est joueur, c'est un joueur, mais on va tout appeler l'équipe nationale, on va appeler un joueur africain, l'équipe africaine, on va appeler un joueur. Et ça, dans la carte, il y a solidarité. Vous voyez, c'est du loisir. Donc, ça fait partie de la vie humaine. Vous voyez. Mais eux, ils ont le bien, ils ont un scandale. Non, ils ont un scandale. Oui, Rajib, Adolphe Dominguez, Michel Bakenda, Koto Ndeko. Mais tout ça, moi, la Zoyemba, ma sœur peut Zoyemba. Ils peuvent faire une chanson. Hein? Ensemble. Un cantique d'ensemble. Ils chantent pour notre pays. Un concert peu d'ensemble, les Alarafis. Mais ça pose, événement. Ça pose pas un problème. Vous voyez, pour moi, c'est mon appréciation. Hein? C'est mon appréciation, papa. Voilà, ça c'est très bien dit, c'est clairement bien dit. Nous voici arrivés complètement à la fin. Je vais remercier l'homme de Dieu, Levé John Ochudi, Eli Miracle depuis l'Angleterre, Yalu Zombala de Madrid, le vieux Batombo Bobo et Maman Lami Bekantoy à Londres, le célèbre Dien Zundu à Washington, Maman Claudine Louye qui nous capte religieusement depuis Kinshasa. Nous sommes de cœur avec vous. Merci à tous nos amis, à tous nos partenaires, le conseiller Papa Philippe Kabouikouna Fribourg. Et je vois également décrit ses condes, un bon tonton à Paris, Maître Siza Soukama, puissance à Mikili,
Maman Sarah Lina Wembi des États-Unis. Maman Espérance Assoutou, la mère des archanges de la Belgique. De partout vous nous suivez, na Brésil, Chine, Dubaï, un peu partout. Soyez bénis. Que le Tout-Puissant vous bénisse. L'homme de Dieu, rappelez-moi de registrer mon numéro de contact. Et puis un message d'espoir dans le Congolais et diaspora. Au Bazapé divisé pour la culture en Boka, Monsieur Balingi retour, et Pasteur Baté en Apoto, Monsieur Baboy, Monsieur Balingi retour en musique et Zonga, d'autres Baboy, tu vois un peu cette confusion-là, cette cacophonie qui existe dans les esprits des Congolais. En tout cas, vraiment, je suis un combattant, un chrétien, un pasteur, en Europe, en Afrique, par-ci, par-là. Je suis un poto. Donc, comme il y a un mot, c'est vraiment significatif pour cette nation congolaise. Je suis un ami qui a été un ami qui a été un signe profitable au Nzambe, à ce qu'on a annoncé les bisous. Bannir l'indifférence, les partis pris, les intérêts personnels. Restons unis. Nous allons repousser les adversaires de ces pays. Notre pays, le problème majeur, c'est la divergence, les intérêts personnels. Les combattants que vous combattez, toutes les personnes là, les musiciens, les pasteurs, votre objectif c'est quoi? Est-ce que vous êtes là influencé pour l'autre fois j'ai suivi. Il y a Laurent Sogogo. Entre vous tous, entre vous, Bozobunda Makamuya Mbongo. Cela veut dire que vous êtes corrigible. Les gens qui sont les Congolais à Betty Musique na poto. Aza mwana mboka mbongo kokota wana kosa pe une partie affectango na ba œuvre caricative. Mais ceux qui besoin boya Congo évoluer même ailleurs, vous allez freiner notre nation. On était nous tous contre avec le régime qui est passé. Mais le régime des aventuriers, le régime des intérêts personnels. Mais aujourd'hui, nous sommes dans notre pays, dans la tête de notre pays, un fils du pays. Il faut être unis. C'est ma façon de voir les choses. Parce que quand j'ai prié, j'ai vu que cette nation, il y a des signes profitables. C'est pour cela, laissez les pasteurs prêcher la parole de Dieu. C'est évoluer. Parce que ce qui se passe actuellement, vous les combattants, si vous êtes pour ces pays, descendez à l'est du pays, allez repousser les Rwandais. Mais vous ne faites pas ça. Vous êtes là que c'est moi pour parler. Nous devons être unis pour repousser les ennemis du Congo. Notre pays, vous disiez autrefois que celui-là il n'était pas congolais. Mais actuellement, on a un président de père et de fils, de père et de mère congolais. Alors venez. Venez combattre ensemble. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Prenez mon numéro 00243-81-86-19-786. 00243-81-86-19-786, c'est mon numéro. Les seigneurs vous bénissent. Voilà, nous sommes ensemble pour de vrai, mesdames et messieurs. On est là. Décris Kondé, un bon tonton à Paris. Le docteur Simon Mundemba, depuis la Zambie. Et en tout cas, nous fêtons l'anniversaire avec tous nos amis au Babota Malelo, tous en abîmant de cœur, les Congolais d'ici et d'ailleurs, même l'intérieur en Mboka, restons ensemble. Donc voilà, l'homme de Dieu a parlé, il s'est libéré, a exhorté Bino, il a conseillé à ses points de vue naïe. Et je pense que tout n'est pas spirituel. Il y a aussi la part de l'homme. Amen. Dans ce que nous faisons. Mais oui. Alors, encouragez pas pasteur Walesa, ni Balati Sokoto, Balati Teni. Pas jamais moral l'armée Nabisso. Amen. Et puis Malobi, cette fois-ci, tout ce qu'on a beaucoup. Nous avons la pauvreté, tout. Si nous sommes ensemble. Congolais en est très. Nous ne sommes pas solidaires. C'est ça le mal des Congolais. Songi, jaloux, haineux, tout ça, tout éviter en haut. Il nous fait la force. Je vous aime beaucoup et nous soutenons alors les autorités du pays aussi. C'était bien moi, Jérémy Lemba, le renard du désert. Bye bye et à très bientôt. Merci.